Et les biscuits. Est-ce que vous voyez pas, c'est Christophe qui est derrière et qui me sourit. Oh, merde. La vraie vie, c'est le café et les biscuits. Bah, c'est vide. Ouais, oui. Et bonjour tout le monde, on est samedi 26 octobre et ça fait très plaisir de vous retrouver. On vient juste de prendre le thé, café et les biscuits avec Christophe et je suis montée dans ma chambre pour pouvoir vous parler puisque Christophe est en train de changer le robinet de notre cuisine. Il était tout en train de fuir autour de, vous savez, de la douchette. À chaque fois que j'allumais la douchette, il y avait des traits d'eau qui partaient dans tous les sens. C'était en train d'arroser partout dans la cuisine et il est vraiment usé. Donc on est en train de le changer. Comme ça fait un peu de bruit, je me suis dit, bah, je vais monter ici pour vous jaser et vous remercier aussi avant tout pour les messages que vous m'avez envoyés, les messages sur YouTube. Alors, il y a des personnes qui n'ont pas vu qu'il y avait un post qui avait été écrit. Quand vous regardez sur ma chaîne, vous avez les vidéos, vous avez les playlists et vous avez communauté. Et là, vous avez les posts où je vous mets parfois une photo et des messages écrits quand j'ai quelque chose à vous annoncer ou pour vous donner des nouvelles. Et donc, j'avais mis un message, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont manqué. Donc, je suis désolée si ça vous a manqué la vidéo le lendemain, mais j'avais écrit un message pour vous dire que j'étais pas très en forme. Figurez-vous que Victor et moi, nous avons une maladie rare qui de temps en temps s'active comme ça, sans qu'on sache trop pourquoi ou si parfois il y a des déclencheurs. Et en fait, jeudi matin, j'ai fait un petit malaise. Donc rien de grave, hein, j'ai l'habitude, hein, vous inquiétez pas, mais parfois j'ai un petit malaise et puis pouf, je me relève facilement. Et parfois ça me demande un petit peu plus de repos. C'est aussi pour ça que je ne peux plus conduire depuis pratiquement un an et demi maintenant, parce que ce sont des malaises qui prennent comme ça. Parfois c'est... C'est ça, parfois c'est un mal de ventre, parfois c'est de l'urticaire, il y a plein de choses. Bref, il faut vivre avec et c'est aussi pour ça que des fois Victor a besoin de se reposer. Il a eu aussi pas mal de misère avec cette maladie ces derniers temps. Mais ça ne nous empêchera pas de nous amuser, de nous donner de la joie et d'avancer. Voilà, donc je me suis bien reposée et ça m'a fait vraiment du bien. Et maintenant je m'écoute et Victor c'est la même chose. Quand on a besoin, maintenant on le sait, on se repose. Et on attend que ça passe, de toute façon on n'a pas le choix, on vit avec. Mais voilà, ça fait du bien de vous retrouver et ça m'a fait du bien de me reposer. Donc je suis contente de vous retrouver là parce que, bah écoutez, pour me reposer, je n'ai pas trop sur mes jambes, mais j'ai pu tricoter. C'est à peu près la seule chose que j'ai pu faire entre dormir
et tricoter. Et pour les biscuits, et ben figurez-vous que j'ai rien eu besoin de cuisiner, de gâteaux, de goûter. Mon mari est revenu avec un paquet de boîtes de biscuits juste pour me faire plaisir. Et il sait que j'aime beaucoup les biscuits anglais, donc voilà, il m'a ramené ça. Il m'a ramené aussi des petites barquettes à la framboise. Ça aussi j'aime bien. Et des gaufrettes à la vanille. Oh, si c'est bon les gaufrettes, hein. Mais j'aime pas trop celle au chocolat, je préfère vraiment la vanille. Voilà, donc vous voyez, ça a été bien, le repos complet, les enfants étaient près de moi, ils sont bien occupés. Puis, comme je vous dis, j'ai l'habitude, ne vous inquiétez pas, ça va. C'est certain que ce mois-ci je fais un petit peu plus que d'habitude et que ben, c'est normal, hein, on accumule un peu de fatigue, mais comme je vous l'ai dit, il faut avancer dans la vie. Et de toute façon, je vais vous dire, même si je ne faisais rien, il y a parfois où je me lève le matin et j'ai dormi toute ma nuit et je me sens pas très bien. Donc voilà. Donc, quoi qu'on fasse, ça peut se déclencher à tout moment et bah, je préfère faire des choses que de rien faire. Voilà. Et puis bon, de toute façon, et on n'est pas venu ici pour parler de cette fichue maladie, mais j'ai des choses à vous montrer parce que pendant que j'étais dans mon repos, j'étais bien installée, hein, j'étais bien au chaud. J'ai fini de tricoter la manche du gilet de Victor. Et ça, je suis contente parce que bah, ça rend bien. Alors, il m'est arrivé quand même une mésaventure, je vais vous raconter ça. Donc, je vais vous montrer le gilet de Victor, ça y est, à une manche au complet. C'était plaisant à faire. Et finalement, j'avais juste à me laisser porter une fois qu'on a bien fait nos diminutions. Bah, on a juste à faire les répétitions. La seule chose, c'est que j'ai fait essayer le gilet à Victor juste après les répétitions, comme ça, une fois que j'avais fait toutes mes diminutions. Et je lui dis, bon ben, comme ça, ça me donne une idée des côtes qu'il faut faire. Et normalement, dans le patron, il y a énormément de côtes à faire pour le poignet. Et si je ne me trompe pas, c'est 15 cm de côte, quelque chose comme ça. Moi, je me suis dit, non, mais c'est trop. Enfin, pour ce gilet, pour Victor, je pense que c'est pas trop... voilà, il aime bien les côtes, mais pas trop larges. Et puis donc je lui fais essayer et je calcule, normalement on devrait faire 6-7 cm de côté, on est bon. Donc j'avais fait les côtes comme ça sur le gilet. Bah, c'est presque la moitié, hein. J'ai pas rentré les fils encore, c'était les côtes comme ça. Je rabats mes côtes et je le fais à nouveau essayer à Victor. Il a dit c'est tiré dans la nuit, il est comme l'inspecteur Gadget, il tire ses bras. Il manquait au moins 4 cm. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je te l'ai fait essayer. Et en fait, je sais pas comment ça se fait. C'est peut-être la position du gilet ou quoi. J'ai essayé de lui remettre. Je me suis dit, bon bah non, je vais lui rallonger à nouveau les côtes pour être sûre. Parce que s'il grandit encore, bah, il va pouvoir le garder un peu plus longtemps. Et là, ça tombe impeccable. Donc j'avais coupé ma laine et tout. Hein. J'avais tout bien rabattu. j'ai redémonté et j'ai remonté les côtes. Donc voilà. Ça a été. Un petit peu l'aventure de ce gilet, mais ça rend super bien, franchement il est très très beau. Je pourrais peut-être même vous le passer pour vous montrer. Ben, c'est sûr que sur moi la manche elle est un peu grande, mais regardez là, c'est pas mal, hein. Je sais pas combien de centimètres j'ai fait, mais plus non, je trouve que ça va pas, à moins de les replier. Alors là, replier, c'est pas mal du tout. Je pourrais peut-être même lui emprunter, tiens. En tous les cas, il est super beau. Et la laine est très belle. Voilà. J'espère remonter maintenant l'autre manche. Enfin, remonter, non, monter l'autre manche prochainement. Et puis lui terminer son gilet. Je vous en parlerai un peu plus ben, pour la laine, tout ça. Je mettrai tout le détail sur Ravelry. Je crois que j'ai déjà commencé à mettre des informations. Il faudrait que je complète, mais je vous en parlerai quand je l'aurai complètement terminé. Voilà, donc j'ai tricoté une manche. Et puis, ben, pour varier un petit peu, j'ai avancé ma chaussette, Crinkle Socks. Et là, c'est pareil, je suis contente parce que j'arrive bientôt à la pointe. Quand même, hein. J'ai bien avancé, bien tricoté. Et je me suis fixée sur ces deux tricots-là, les chaussettes et le gilet, et ça m'a fait vraiment du bien.
Par contre, il faut que je vous montre, parce que depuis la dernière fois où je vous l'ai montré, le pull des gnomes. En fait, pendant que je fais le montage le soir, j'attends que la vidéo soit mise en ligne pour valider. Donc, je tricote, mais quelque chose qui demande pas trop de concentration, parce que il faut surveiller pour la mise en ligne, valider, etc. Donc, j'ai commencé une paire de chaussettes auto-rayantes toutes simples, et je vous la montrerai à la fin du mois. Mais j'ai aussi décidé de tricoter un bout du pull des gnomes. Et ben, je vais vous montrer, l'air de rien, j'ai fait un bon bout. J'ai bien fait au moins 6 ou 7 cm depuis la dernière fois. Ça donne... Ah ben, venez regarder, j'avais laissé le marqueur. J'ai fait tout ça. C'est pas mal, hein? Bon, c'est peut-être pas 6-7 cm. C'est peut-être 5. Mais laissez-moi dans mon rêve que j'ai tricoté beaucoup sur ce pull, parce qu'il est tellement petit, ce fil, que j'ai l'impression que j'aime avoir le bout. En plus, c'est beaucoup de mailles à chaque fois. Et voilà, donc je fais le tour. Mais très sincèrement, je l'ai vu grandir d'un coup. Là, je suis contente. Donc ça continue, ça continue, ça continue. Et j'arrive au bout de ma pelote. D'ailleurs, elle est où, elle? Hop là. J'arrive au bout de ma pelote. J'en ai encore quelques-unes. Comme je vais en faire une tunique, je crois que j'ai encore 4, 5, 6 pelotes comme ça. C'est 50 grammes, ça? Non, c'est 25 grammes. C'est 25 grammes. J'en ai 6 encore comme ça. Je vais faire des manches courtes. Et je vais faire en tunique. Écoutez, je voulais vous en donner des nouvelles, parce que chaque soir, pendant le montage, j'en faisais un bout. Et que je trouve que ça va être super en tunique avec un leggings et des bottes. Et un beau t-shirt blanc en dessous qui ressort et qui fait ressortir la barbe du gnome. Super chouette. Voilà, voilà ce que j'ai tricoté. Oh ! Et j'ai terminé le carré, le dernier carré de la ligne de ma couverture. Il manquait juste un bout. Pour le carré, je l'ai terminé aussi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous amener avec moi dans le salon. Je vais étaler la couverture au sol. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et j'espère qu'il y aura assez de lumière. Sinon, je mettrai la lumière du plafond. Et je vais vous montrer les laines que j'ai choisies pour la prochaine ligne. On va faire ça. Et puis, bah, ce soir, c'est bien simple. Donc, petits légumes et poulet à la crème. Donc voilà. Et après ça, j'ai envie de me monter un nouveau pull. J'ai besoin de couleurs. Là, je suis dans les manches. Les manches du gilet de Victor, les manches de mon gilet vert. Il m'en reste une à faire. Et après, j'ai commandé des boutons. J'espère les recevoir cette semaine. Je pourrai vous les montrer. Sinon, bah, je reviendrai début novembre vous montrer tout ça terminé. Et puis, j'ai envie de monter quelque chose de coloré et avec des motifs. J'ai envie de jacquard. Et j'ai deux projets qui me tentent bien. Donc, j'en ai un, j'attends juste de recevoir la laine de contraste, parce que c'est juste ça qui manquait. J'avais plein de restes de laine drops que j'ai mis de côté exprès. Et l'autre projet qui est vraiment coloré, et je pense que c'est celui-ci que je vais monter tout à l'heure, c'est un pull de petite knitter. Je pense que c'est ça. Attendez que je ne vous dise pas de bêtises, parce que on mélange tout le temps petite knitter. Il me semble que c'est ça, voilà. Et c'est celui que je voudrais monter ce soir et qui est coloré. Il est fuchsia. C'est ma couleur préférée. Et je me suis dit, là, cette semaine, c'est ce que j'ai besoin. Donc ça va me faire du bien de monter les couleurs. C'est un peu réconfort. Et puis, j'ai envie de vous partager ça aussi. Donc je vais le monter ce soir et je vous montre ça demain. Demain, reprise aussi en douceur. Je vous l'ai dit, en douceur. J'ai plus autant l'énergie qu'avant. Ça me... Ma tête veut, mais mon corps ne suit plus. Allez, je vous dis à tout de suite. Je vous amène avec moi dans le salon. Thank you.
ouverture en grand. Et c'est ce carré ici que j'ai terminé. Et maintenant, je reprends cette ligne à partir d'ici. Je dois faire toute cette ligne. Et d'ailleurs, je mets toujours un marqueur sur mon premier carré. Donc lui, je l'ai gardé pour bien identifier quel est mon premier carré. Parce que ça me permet de savoir dans quel sens tricoter, vu que la couverture se monte une ligne comme ça. Une ligne comme ça, une ligne comme ça, une ligne comme ça, une ligne comme ça, et ainsi de suite. Donc pour que mes lignes ici, au centre de mes carrés, soient toujours dans le même sens, il faut que je sois sûre que mon premier carré soit bien identifié. Ce qui me permet de savoir quelle ligne je reprends. Et c'est pareil pour la couverture au crochet. J'ai identifié le premier carré avec un marqueur, comme ça je repère bien le sens des couleurs comme c'est indiqué sur le patron. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis un marqueur sur le premier carré. Voilà, cette couverture, et moi on a rendez-vous demain. Pour l'instant, je vais vous parler de cette couverture ici. Comme je vous disais, je vais repartir avec cette ligne ici et j'ai choisi des couleurs. Je vais vous montrer, je vais les étaler. Donc j'essaye toujours de varier parce que ici par exemple c'est brun, bleu, violet, c'est plutôt sombre. Je vais essayer de mettre quelque chose de plus clair. Donc j'ai choisi du rose pâle. Ensuite j'ai pris un beau vert. Un moutarde. On va les mettre comme ça. Une couleur que j'aime beaucoup. Et ça va bien contraster. Du beige. Lui, il est un peu plus pâle en réalité que ce que vous voyez. Un beau violet pâle. Du jaune et du vert. Voilà. Et je vais vous montrer comment ça rend maintenant. Voilà mes prochaines couleurs. Christophe m'a installé mon nouveau robinet. Tout beau, tout neuf, avec la douchette. C'est quand même pratique. Hein. De chez Lidl, tout simplement. Et merci Christophe, c'est super, on repart avec du neuf.